Les 11 et 12 octobre 1986, la capitale de l'Islande, Reykjavik, à mi-chemin entre l'Amérique et la Russie, accueille la rencontre au sommet du président Reagan et du secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, après un premier contact établi à Genève un an plus tôt. La plupart des observateurs s'attendent au début à une négociation longue et difficile entre les deux hommes, que tout semble opposer puisqu'elle fait suite à un long affrontement stratégique en matière d'armement nucléaire, la bataille des euromissiles. En réalité, le sommet de Reykjavik aura effectivement débloqué, et de manière définitive, cette crise et bien davantage encore. Un an plus tard, le traité de Washington de décembre 1987 marque la fin définitive de la course aux armements en matière nucléaire, et deux ans plus tard, les derniers soldats soviétiques auront quitté l'Afghanistan, ultime théâtre sanglant de la guerre froide. Malgré le scepticisme des uns, les encouragements des autres à poursuivre dans les anciennes directions, dès ce moment-là, la guerre froide est terminée. Et curieusement, cet étrange et immense affrontement se termine, comme il avait commencé 42 ans plus tôt à Yalta, par un sommet réunissant les chefs des deux superpuissances. Mais commençons par le motif officiel de la réunion, la crise des euromissiles. Depuis le début des années 60, les soviétiques ont déployé le long de leur frontière ouest des missiles à moyenne portée SS-4 et SS-5 qui visent spécifiquement des cibles européennes. Leur principe est exactement le même que celui des missiles les plus longs, stratégiques, qui peuvent atteindre l'Amérique, porter la menace nucléaire au cœur des populations de l'Occident. À partir du milieu des années 70, l'état-major soviétique décide de moderniser ces missiles et de les remplacer par une nouvelle série, les SS-20. En apparence, rien ne change. En apparence seulement. Car le SS-20 est une arme beaucoup plus perfectionnée, entièrement nouvelle, notamment sur le plan de la précision. Or, qui dit arme précise, permet explosion atomique beaucoup moins puissante. Certaines charges peuvent ainsi détruire des bases navales ou des aérodromes stratégiques, sans pour autant créer l'holocauste des populations alentour. Et c'est tout le paradoxe. Moins une bombe atomique est meurtrière, plus elle a de chances d'être utilisée dans la bataille, et donc, plus elle est immédiatement dangereuse. On dit alors que le seuil d'utilisation du nucléaire s'est abaissé. Avant 1974-75, les missiles à longue portée des Occidentaux, Américains, mais aussi Français et Britanniques, pouvaient dissuader les Soviétiques de se servir des vieux SS-4 et SS-5 contre Paris, Londres, Amsterdam ou Francfort. Après 1975, il devient douteux que les Américains mettent en danger leur propre territoire national pour contrer la menace de missiles aux charges plus petites qui ne viseraient plus que des installations militaires. Il se produit alors ce que l'on appelle un découplage. L'Europe n'est plus vraiment couverte par le parapluie nucléaire américain. Dès 1977, le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt tire la sonnette d'alarme. La seule solution serait de déployer en Europe de nouveaux missiles américains technologiquement avancés, les Pershing 2 et les missiles de croisière, qui eux aussi, en ciblant des objectifs strictement militaires du pacte de Varsovie, rétabliraient l'équilibre de la terreur. Toutefois, les opinions américaines et allemandes plus encore risquent de voir d'un mauvais œil ces nouveaux déploiements guerriers. Aussi l'OTAN adopte-t-il en 1979, pour la première fois de son histoire, une résolution de compromis très ambiguë. L'Alliance occidentale se déclare prête, pour sauver la détente avec l'Union soviétique, à renoncer au déploiement de ses euromissiles américains si Moscou accepte de négocier la réduction en nombre de ses SS-20 pour en diminuer le danger potentiel. Une limite dans le temps est fixée à la négociation, 4 ans, donc fin 1983. Faute d'accord, le déploiement aura lieu. Cette double résolution de l'OTAN vient en fait d'introduire la plus grande bataille d'opinion de la guerre froide, puisqu'elle incite les soviétiques à tout faire pour contraindre les pays occidentaux, sous la surveillance de leurs opinions publiques, à négocier quoi qu'il arrive. Comme le dira en 1983 François Mitterrand dans une belle formule inventée par Hubert Védrine, les pacifistes sont à l'ouest, les missiles à l'est. Pourtant, jusqu'à l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique en décembre 1979 et l'élection de Reagan en 1980, l'opinion générale s'accorde à penser qu'un accord bancal fondé sur des comptes d'épicier finira par être trouvé. Mais Ronald Reagan, qui souhaite en réalité installer, quoi qu'il arrive, ses euromissiles en Europe, fait monter la tension de plusieurs crans en proposant très vite l'option zéro. Pas de missiles américains en Europe, si et seulement si les euromissiles soviétiques, les SS-20,
sont purement et simplement retirés. Dans cette partie de poker menteur, Reagan vient de trouver une clause tellement radicale qu'elle empêche les soviétiques de négocier un compromis. En Allemagne, c'est le chancelier Helmut Schmidt qui est pris à contre-pied. Son parti, le Parti social-démocrate, le SPD, a basculé définitivement dans le camp pacifiste et exige le non-déploiement des euromissiles américains sous l'impulsion de son président Willy Brandt. Bien que Schmidt soit resté fidèle à la double résolution de 1979, il est jugé décrédibilisé par l'hostilité de son propre parti. Au début de l'automne 1982, son allié libéral, le FDP, décide de l'abandonner pour former avec la CDU de Helmut Kohl un gouvernement de combat décidé à ne céder ni aux pacifistes à l'intérieur, ni aux soviétiques à l'extérieur. En Union soviétique même, Brejnev, déjà malade et en partie gâteux, a été conduit par son entourage, Tchernienko, et son ministre des Affaires étrangères, Gromyko, a refusé toute concession. Dès son arrivée au pouvoir fin 1982, Yuri Andropov, l'ancien chef du KGB, veut déjouer le piège dans lequel l'Union soviétique est ainsi tombée toute seule, et il propose, lui, d'importantes concessions. Mais il est trop tard pour que celles-ci soient accueillies, surtout après la nette victoire de Kohl sur le SPD aux élections allemandes de mars 1983. Tandis qu'Andropov se meurt sur son lit d'hôpital au Kremlin, les premiers Pershing 2 et missiles de croisière sont installés, malgré de grandes manifestations pacifistes, sur des bases en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. Moscou a perdu la bataille des euromissiles. L'Union soviétique, en effet, n'a pas les moyens de réagir. Elle a donc altéré sa crédibilité de dissuasion. Elle a menacé l'Occident des pires représailles et on découvre tout à coup qu'elle n'a plus de flèches dans son carquois. Soudain, l'Occident tout entier vient de lui signifier qu'il n'en avait plus peur. Il y a pire encore. En pleine bataille des euromissiles, Reagan annonce au printemps 1983 l'ouverture d'un nouveau front dans la course aux armements, l'initiative de défense stratégique, ou IDS, qui se propose de créer dans l'espace un bouclier de laser antimissile qui protégerait un pays contre toute attaque nucléaire. L'Union soviétique n'a pas les moyens, ni financiers, ni scientifiques, de suivre. Le ressort est cassé. Quelques mois plus tard, Tchernienko meurt et Gromyko, qui dirigeait de fait le pays, s'incline devant Mikhail Gorbatchev. Désormais, le nouveau numéro 1 a les mains libres pour agir à peu près à sa guise, mais a-t-il une nouvelle politique ? Ce n'est qu'avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en mai 1986, que Gorbatchev, après trois lourdes semaines de silence, dévoile enfin ses batteries en appelant à la glasnost, à la vérité de l'information pour tous les soviétiques. Mais en octobre 1986, à Reykjavik, le grand changement n'a pas encore totalement éclos et rares sont les observateurs occidentaux qui ont la lucidité de le percevoir. Pourtant, il est clair que dès ce moment-là, Gorbatchev a conçu, au moins en politique étrangère, un plan définitif et précis. Mettre fin à la guerre froide par tous les moyens. Car Gorbatchev a intensément médité sur la chute de Khrushchev. Il sait que son prédécesseur s'est effondré lorsqu'il a voulu combiner grandes réformes internes et poursuite de l'agressivité externe. Lui fera exactement le contraire. D'abord, faire tomber les tensions extérieures pour pouvoir rapidement baisser les dépenses militaires. Dès l'automne 1985, Gorbatchev a multiplié les propositions constructives. Réduction de moitié des arsenaux nucléaires si les Américains renoncent à l'IDS. Puis, après sa première rencontre avec Reagan à Genève, en novembre 1985, appel réitéré à se débarrasser des armes nucléaires qui flirtent dangereusement avec la célèbre option zéro du président américain, jusqu'alors dénoncée par les soviétiques comme l'exemple même de l'approche propagandiste et démagogique de Reagan. Le climat est ainsi préparé, plus qu'on ne se l'imagine, pour l'extraordinaire rencontre de Reykjavik. Tout le monde s'attendait à un marchandage technique et pénible. Il n'en sera rien. Malgré la présence de quelques diplomates de la vieille école soviétique, Gorbatchev bouleverse rapidement tous les usages. Il propose d'emblée à Reagan son option zéro en matière d'euromissiles et fait miroiter une option double zéro, la suppression des missiles à courte portée, ainsi qu'une division par deux des arsenaux à longue portée, les arsenaux stratégiques. Reagan est médusé. Mais après avoir ainsi avancé, Gorbatchev, qui sait son bureau politique encore réticent, introduit la clanche qui va bloquer le reste de la négociation. Il exige en effet du président américain une renonciation totale à l'IDS qu'il sait impossible, au moins sous cette forme.
Le vieil acteur hollywoodien, qui avait manqué d'être désarçonné, remonte alors en scène et lui fait sa proposition surréaliste de bâtir le réseau de satellites de l'IDS avec les soviétiques et de défendre ainsi lui-même le territoire russe. Gorbatchev lui rétorque qu'il serait un fou d'accepter une telle proposition, d'autant qu'on voit mal alors d'où viendrait la menace. « Avez-vous pensé aux extraterrestres ?» lui répond un Reagan très New Age et probablement sincère. La négociation est interrompue. Dans des maisons scandinaves voisines, les adjoints ont esquissé des solutions aux problèmes afghans, cambodgiens, angolais, avec une célérité remarquable. Jamais Russes et Américains n'avaient travaillé de manière aussi constructive depuis la conférence de Téhéran de 1943. Rentré à Moscou, Gorbatchev poursuit les négociations, mais cette fois-ci avec ses critiques conservateurs. Gromyko, Yegor Ligachev, le numéro 2 du parti, et le chef de la commission militaire centrale, Liev Zaïkov. Fin décembre, il se sent assez fort pour avancer à nouveau. Il fait libérer Andrei Sakharov de sa résidence forcée de Nijni Novgorod et dès le début de 1987, fait tomber dans la foulée son intransigeance de Reykjavik sur la guerre de l'espace. C'est la paix, enfin. À ce moment-là, sans doute, aucun homme politique n'aura été aussi populaire dans le monde entier que Mikhail Gorbatchev, dont on attend sans cesse de nouveaux miracles. Hélas, l'immense succès diplomatique de la perestroïka s'est accompagné d'erreurs lourdes de politique économique. Quand, enfin débarrassé de la guerre froide, au début de 1988, Gorbatchev s'attaque à la grande réforme de l'Empire, il est hélas bien tard dans le siècle. Это Виталь Богатый.